Enfin, qu ont qu'ils ont eu chez eux. Moi, je vous explique ce que j'ai vécu chez eux et ce que j'ai vu par la suite. Je ne rentre pas dans un débat pour euh, vous rallier à ma cause. Moi, je vous dis pas, soyez ici ou soyez ça. Moi, je vous dis, soyez musulmans. C'est tout, point barre. Allah, il a fait descendre sur nous le mot musulman. Pas fille. pas wahhabite, pas hebèche, euh, euh, pas chiite. C'est musulman tout court. Et justement, il y a une parole du prophète que j'aime beaucoup qui dit... Euh, le prophète a dit... Euh, dans un hadith qui est dans les sunnans et dans les mousnad et ailleurs, ça veut dire que vous pouvez le retrouver dans beaucoup de livres, bien que les livres là ne sont pas cités. Mais une fraction de ma communauté restera toujours fidèle à l'ordre d'Allah, le puissant et le majestueux. Celui qui les délaissera et les contredira ne nuira point jusqu'à la venue de l'ordre d'Allah qui les trouvera victorieux sur les gens. Quelle belle. Enfin, Quoi de plus que cette belle parole, s'attacher à la sunna Et puis il y a un hadith que je n'ai pas sous les yeux, que je vous citerai à ma façon, où le prophète dit, accrochez-vous, d'ailleurs c'est son dernier message qu'il qu a donné à, à ses compagnons, accrochez-vous à ma sunna par vos molaires, à pleines dents, mordez à pleines dents. La sunna, comment oser dire je me rapproche du prophète ou d'Allah en fêtant hein, le maolide Mais c'est une innovation, mais je me rapproche de, du prophète et d'Allah. Mais, mais comment ça le prophète il nous, a demandé, il nous a donné la façon d'agir pour se rapprocher d'eux comment, comment oser se dire nous on a fait une bonne innovation Nous on a fait quelque chose qui nous rapproche du prophète Celui-là qui fête pas le maoulid le maol, le ou le maouloud C'est qui, euh, qu'est-ce que j'ai entendu Oui, c'est qu'il n'aime pas le prophète le le, Celui-là qui aime vraiment le prophète, il doit fêter cette fête Mais il faut arrêter, celui-là qui aime vraiment le prophète Il cherche à lui ressembler déjà d'un après, bon voilà, maintenant je vais rentrer dans notre truc, sans hadith, sans verset, sans rien du tout. Je vais vous expliquer ce que j'y ai vu. Donc voilà, euh, j'ai continué mon apprentissage avec un petit peu de temps, très peu, parce que là, quand j'ai vu toutes ces discordances, tout ce qui n'allait pas avec euh, l'islam et qui était en contradiction avec la sunnah et le Coran, j'ai fait une prière de consultation, j'ai demandé à Allah, clairement dans ma prière, de... Et je vous conseille tous de la faire parce que si Allah vous aime, il vous, il vous montrera la vérité. Après Allah l'aime, je ne sais pas si vous en sortira ou si vous fera voir clairement. Moi pour moi, ça fut le cas. J'ai fait une prière de, de consultation euh, pour savoir si j'étais sur la bonne voie en continuant à étudier chez eux ou si je devais m'en échapper, m'en sortir. Et ben, j'en suis sorti. Il s'est passé plein de trucs de fées que je ne pas, pas spécialement d'importance à vous raconter ce qui s'est passé, mais qui m'ont qu éloigné d'eux euh, très rapidement c'est-à-dire euh, des impossibilités, j'avais des, des cours de prévu avec eux et lui finalement il était plus là. Moi euh, quand il est il, il était à Paris, quand il est revenu de Paris, moi j'étais plus là non plus, donc je pouvais pas là ces cours. Puis euh, du fait qu'il n'était pas là, la semaine suivante il était revenu et comme par hasard il y avait des grèves de métro et comme je n'ai pas le permis je n'ai pas pu me aller chez lui c'était trop loin donc il, enfin il s'est enchaîné plein de trucs comme ça qui m'ont éloigné qui m'ont éloigné qui m'ont dit bon mais voilà on n'y va plus quoi et pendant ce temps j'ai pas j'ai pas parce que aussi voilà je voudrais conseiller à certaines personnes qui, qui sont sorties de ça qui sortent de la mais qui arrêtent qui sont dégoûtés, on va dire, qui sont déçus, qui, qui ont peur de... Mais il y a quand même en France des gens qui suivent le Coran, la Sunna, qui sont droits. Ne croyez pas que tout le monde sait des sectes, tout le monde sait ci, tout le monde sait ça. Moi, pour preuve, j'ai atterri je maintenant avec un autre chir qui... Et aussi, attendez, quand je n'y allais pas, c'était tous les jours, « Allô, mais tu vas t'égarer, il faut que tu viennes, qu'est-ce que tu fais euh, Reviens, reviens étudier, tu vas t'égarer tout seul. » C'était que ça, c'était ça m'appelait à 11h du soir, euh, ainsi de suite. Bon, après, moi voilà, j'ai su avoir du répondant, donc ça a vite calmé. Mais je connais des personnes qui en sont sorties, qui se sont fait harceler, mais harceler au téléphone. Hein. Les pauvres, c'est surtout des femmes, Iskina, qui franchement, je les, je, je les ai plaint, hein, se faisaient harceler. Ouais, viens, qu'est-ce que tu fais, tu vas t'égarer, tout ça. Moi, je vous dis, maintenant j'apprends avec un autre chire. Où on est en groupe, je ne me suis pas tout seul avec lui parce que ça aussi il apprenait qu'à moi, tu vois. Enfin, vous voyez, il apprenait qu'à moi et de temps en temps on était deux, de temps en temps on était trois. Et il m'encourageait toujours à faire venir du monde. C'est bien, c'est pas mal, c'est pas ça que je, je dis. pas que c'est mal d'essayer de rapprocher des frères, mais j'ai trouvé que c'était trop insistant. Et ça insistait trop euh, de dire que tout le monde c'est des innovateurs, des... pas des innovateurs parce que c'est les premiers à l'être, mais que tout le monde c'est des confort, tout le monde c'est ci, tout le monde c'est ça, enfin bref. Je m'en suis éloigné, j'ai commencé à prendre mes cours. Et quand je ne suis pas à, à, à la mosquée, il n'y a personne qui me téléphone pour me dire, ouais, qu'est-ce que tu fais Il faut que tu viennes. Tu non. Si Allah me fait marcher jusqu'à la mosquée, et me donne envie d'y aller, ça suffit. Le chien, il n'est pas là pour euh, te suivre, à, te, te, te courir après, pour venir euh, t'inculquer, te dire ce qu'il faut que tu penses, ce qu'il faut que tu fasses, ce qu'il faut que tu croises. Enfin, mon... ça c'est mon point de vue personnel. Hein. Après, je ne vais pas rentrer dans, dans ces thèmes-là. Je... Enfin voilà. Bref, ce que je veux dire, c'est que maintenant j'en suis sorti de Je remercie Allah parce que ce n'est pas de... ce n'est pas de mon, mon propre chef. Il m'a fait voir certaines choses, il m'a montré certains signes, il m'a envoyé certains frères. Aussi, voilà, bon, je ne veux pas rentrer dans les signes que j'ai eus, parce que voilà, ça c'est personnel. Et maintenant je vais vous parler juste pour finir, je ne vais pas rester longtemps, parce que sinon la, la conférence sera trop longue et beaucoup de personnes ne vont, vont pas écouter jusqu'à la fin. Enfin la conférence, entre guillemets, le message que j'avais à, à vous dire, c'est que... Voilà, maintenant après quand je suis sorti de ça, ben, j'ai voulu sortir d'autres personnes de cet endroit. Et bon, des fois, j'ai voulu sortir, tu vois, j'ai enfin, fait une travail de recherche pour prouver, démontrer pour sortir certaines personnes que j'estime et que je savais toujours pour, enfin, qui faisait partie de la PBIF et je vais vous raconter une petite histoire très courte mais qui m'est arrivée avec une sœur de, de mon quartier que j'ai su par en fait j ai, j ai, sur mon site inter, enfin, sur mon site j'ai fait une page sur qui est la cette page là le savoir est une arme islamique de Facebook où je me permets pas de rentrer dans le hlal, le hlam je suis pas un savant je suis loin de là moi si je partage c'est des hadiths euh, des avis de savants euh, je ne me permets pas de parler de mon propre chef, ça c'est clair et net. Si j'ai une question, on me pose une question, ben je me renseigne, je réponds pas avec des je pense, je crois, non non ça ça ça, ça, ça m'intéresse pas. Et tout ça le musulman n'a pas le droit de faire ça. Il doit se renseigner, il y a du travail qui a été fait. Et aujourd'hui c'est pas comme à l'époque, hein. les, les, les compagnons ou euh, ceux qui ont rapporté les hadiths des fois ils peuvent taper deux mois de voyage pour aller chercher une information sur l'islam. Nous on a juste à cliquer souvent bon bien qu'il ait plein de sites dégarés de sectes et tout ça, on a juste à ouvrir les livres, on a des livres authentiques qui sont traduits en français on a le courant traduit en français bon d'accord, hein, c'est clair et net que le courant traduit en français ne sera jamais comparable au courant en arabe il sera jamais la, la, la traduction exacte mais c'est le sens de ces versets faut pas dire que non plus c'est le contraire du courant en arabe parce que c'est ce qu'ils veulent te faire penser que il est mal traduit Que, enfin voilà, c'est juste pour adhérer à, à l'idéologie, parce que il m'aurait sorti un, un verset qui en arabe veut pas dire la même chose. Ok, j'aurais accepté qu'il fallait pas lire le Coran en français. Mais il me disait, euh, par exemple les mains, c'est écrit sur le français. Mais quand j'ai demandé à des frères connaissant l'arabe, je lui ai dit, est ce que main c'est écrit dans le Coran bah, au sujet d'Allah, il m'a dit oui, c'est le mot yid. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est le mot yid en arabe. Et Allah c'est décrit avec des mains. Et je le répète, ces mains ne sont pas semblables à celles de sa créature. Mais on n'a même pas cherché à imaginer ça, ça nous suffit. Allah il a été assez clair dans le Coran, le prophète a été assez clair dans les hadiths pour se chercher à se compliquer la vie qui ne fait que diviser la, la communauté. Regardez où on en est. La télé. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans ce thème. Je, je n'ai pas ce, cette science. Bien que voilà, je, je consulte assez pour euh, me voir ce qui, ce qui se passe. Mais bon. Voilà, je vais vous reparler ouais, de cette sœur, et elle me parlait, voilà, j'ai vu partager un petit site qui, qui traduit le Coran, où il y a sept récitateurs, qui s'appelle « Coran Explorer ». Et j'ai vu, elle m'a écrit un message, « Oui, mais le Coran traduit en français, euh, ce n'est pas… Ah oui, parce que euh, vous, si vous êtes de la PBF, tout ce que j'ai dit, vous ne pouvez pas le contredire ». Après, si vous adhérez pas d'accord, mais si vous étudiez à ce moment à la PBF, vous ne pourrez pas contredire. Comment j'ai étudié le sens des deux témoignages Ce que j'en ai cité, vous ne pourrez pas le contredire, vous avez étudié la même chose. La première fois que vous, étiez, vous y êtes rentré, ils vous ont fait attester, vous disant que vous êtes peut-être sorti de l'islam. En vous faisant attester. Certains qui avaient une mauvaise prononciation, ils vous ont empêché, ils vous ont dit de ne pas réciter le Fatiha, parce que vous, votre prière ne serait pas accordée. Euh, ah aussi, la cigarette. La cigarette, ça c'est. Franchement, honnêtement, je vais pas mentir, je vais pas faire l'hypocrite. Je suis converti depuis quelques temps, je fume toujours. Je fume toujours la cigarette. J'espère, je, 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 Inch'Allah, arriver à, à l'arrêter. C'est pour ça que je le cite. Il n'y a pas d'importance que je le cite, mais je, 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 je veux pas faire l'hypocrite vis-à-vis de ça. Mais quand même, voilà ce prof. fait ce chir que j'avais, il fumait la clope devant moi en me faisant mes cours, tu vois. Fin, vous voyez et j'ai posé la question parce que la cigarette je sais que c'est hein les savants ils sont ils sont maintenant ils sont depuis qu'il y a eu les, les rapports sur la science du cancer tout ça, c'est marqué sur les paquets fumez-tu et le prophète Ali sallatou salam nous a dit dans ce hadith ne vous détruisez pas par vos propres mains donc voilà je, je, je l'applique à moi ce hadith mais bon je sais que je fume et je sais que c'est enfin j'ai du mal à dire ça parce que je sais que c'est hlm, mais j'ai bon bref j'ai encore du mal à arrêter. J'espère inchallah y arriver prochainement. Mais que si je suivais l'avis de ce de, du prof que j'ai eu ah mais non c'est pas hlm c'est pas c'est pas pas grave tu peux fumer. Il y a des sœurs là elles sortent de leur centre euh, devant leur prof et elles, elles tapent la clope comme ça là il disent c'est pas grave laissez les mais, mais comment ça, c'est pas grave Ah si, voilà ce qu'ils vous disent, et ça vous reconnaîtrez. Si vous êtes partie de la PBA, vous reconnaîtrez, c'est sûr, parce que la sœur, qui n'a pas étudié au même endroit que moi, m'a sorti exactement les mêmes mots. Ils vous disent, voilà, fumer la cigarette, euh, c'est pas halam. Mais si tu commences à être malade, à cause de la cigarette, là, si tu fumes, c'est halam. Mais un peu de logique, ça veut dire quoi Ça veut dire, tant que tu n'as pas le cancer, c'est pas halam. Mais dès que tu as le cancer, faut arrêter. C'est quoi cette logique Enfin bref, je ne veux pas rentrer dans, dans, dans ces thèmes parce que ça me fait rire. Mais voilà, même si, voilà, euh, euh, je, je fume toujours, je n'ai pas réussi encore à arrêter. Qu'Allah euh, me facilite, Inshallah, vitamine pour moi. Mais euh, voilà, on peut pas, comment on peut dire ces choses-là, inventer ces choses-là ces choses C'est quoi De la facilité d'un côté, mais d'un côté, de te fait sortir de l'Islam pour euh, une chose qui est écrite dans le Coran. Enfin, bref je compare peut-être les comparaisons n'est pas très très bonne affaire mais c'est ça qui, qui, qui est surprenant quoi et aussi voilà et là pour finir ah excusez-moi j'avais oublié ça je rallonge un petit peu euh, enfin pour finir pas pour finir je veux juste vous parler de mon mariage avant de vous parler de la sœur que justement je me suis rendu compte euh Vis-à-vis -vis de qu'elle était à la PBIF. Donc euh, voilà mon mariage, j'ai voulu me marier rapidement. Dès que j'ai fait la prière, euh, j'étais ben, non musulman, donc euh, j'étais en concubinage avec euh, avec une femme, qui est aujourd'hui ma femme, mon épouse. Mais on était en concubinage, non marié, chose qui. On sait très bien que une femme et un homme, le troisième, c'est chétan. Ça, je l'ai appris au début de ma conversion. Donc j'ai pas voulu tarder, j'ai voulu me marier le plus rapidement possible. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ça, mon erreur, c'est de ne pas m'être être renseigné assez sur la science du mariage, sur le fir, et sur les quatre écoles que je vous ai parlé, chef Abou Anifa, les Anbal et l'imam Malik. Et donc j'ai appelé ce frère et j'ai demandé de, de me marier. Et il m'a dit, bon ben voilà, pour le mariage il faut deux témoins musulmans. Euh, il faut qu'elle elle, fixe une dot. Euh, il m'expliquait un peu ce qu'elle avait le droit d'imposer dans le, dans, le, le, dans le contrat de mariage si elle voulait en faire un euh, enfin, le contrat de mariage entre guillemets le contrat de mariage en islam c'est par exemple si par exemple la femme demande que son mari soit strictement monogame ça veut dire qu'il ne prenne pas une deuxième femme elle a le droit de le demander c'est des choses comme ça mais c'est rien de spécial euh, comme font les kofars dans leur contrat de mariage j'hérite de toi, je fais ci, je fais ça on n'a pas besoin de contrat pour faire ça dans les règles de l'art et comme la charia nous l'impose enfin bref, et ce que je voulais dire c'est que voilà, ils nous ont mariés et il euh, y avait moi, ma femme et deux témoins c'est à dire le prof et un ami à lui qui à cette époque ma femme ne portait pas le hijab donc euh, aussi euh, ils, ils nous ont mariés sans le hijab elle n'avait pas le hijab et il l'encourageait pas forcément le porter non plus. Enfin, pas, il disait pas il faut pas le porter. Hein, attention, j'ai pas. Mais il l'encourageait pas plus que ça. Et euh, voilà, ils nous ont mariés tout ça. Et par la suite, l'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis pas renseigné avant. J'ai regardé les quatre écoles ce que disaient des règles du de mariage. Et il est imposé. Il m'en avait parlé, mais entre guillemets. Voilà, regardez le problème que je trouve chez eux, enfin que j'ai trouvé chez eux vis-à-vis -vis du mariage. C'est que voilà, les quatre écoles disent il faut un représentant pour la musulmane enfin les trois savants parmi les quatre disent qu il faut un représentant pour la femme qui se mûrit, euh, qui se marie euh, la musulmane qui se marie et pour la, le cas du musulmane ça doit être son euh, ça doit être son père voilà ça doit être son père euh, mais ma femme est convertie et reconvertie elle aussi donc son père ne peut pas la représenter parce que son père n'est pas musulman. Donc il n'est pas un représentant valable au sujet du fir du mariage ou de la, de la loi du, du mariage islamique. Donc il lui fallait un représentant. Mais lui m'a dit, selon Abu Hanifa, qui est un savant, tu peux te marier sans, euh, sans représentant vu qu'elle est convertie. Tout ça, ce n'est pas une obligation. Donc moi, on s'est marié selon Abou Hanifa. Je ne conna connaissais pas plus sur le sujet. On a fait ça, les deux, euh, elle, ma femme, pas voilée, moi, et euh, les, euh, les. Comment s'appelle euh, Le prof et son ami. Les deux témoins, pas de problème, il nous marie chez moi. Euh, ils fument la, la cigarette pendant, pendant qu'ils nous marie, <laughs> Bref, bon, je ne jugerai pas sur ça parce que je le fais moi-même. Mais bon, moi je sais que c'est halal. C'est pas bien. Voilà, je ne dis pas, ouais, tu peux, il y a pas de problème. Enfin bref. Et euh, par la suite, voilà, on s'est marié et je commençais à douter. Je, je voyais tous ces problèmes sur l'innovation, je voyais tous ces problèmes, ce qu'il m'avait dit sur la prière, le mensonge qu'il m'avait dit sur le Hadith. Donc je me suis renseigné, j'ai consulté les, les, les livres et les, les avis des savants. Et qu'est-ce qu'il est dit Parmi les quatre écoles, le savant Malik, enfin l'imam Malik, qui est un savant aussi, l'imam Eshafahi, qui euh, eux suivent l'imam Eshafahi, je vous rappelle ça quand même. L'imam... Les trois disent celle qui se marie sans représentant est considérée comme fournicatrice. Et donc, son, vous allez me dire, oui, mais son père n'est pas musulman, alors elle trouve son représentant. Mais le représentant, dans ce cas-là, à l'époque des califs, ça aurait été le calife de la ville, l'autorité de la ville. Mais aujourd'hui, bon, voilà, il n'y a plus de calife, malheureusement. Et euh, ça doit être bien euh, un imam, un imam, quelqu'un qui a la science quoi, qui, qui, qui en cas par exemple de litige avec ma femme, eh bien, elle a quelqu'un vers qui se diriger. Ça veut dire qu'il y a un problème avant qu'il y ait un divorce direct. Euh, elle va voir cet imam, cet imam m'appelle, et il essaye de réparer le... Enfin, de voir le problème, euh, où sont les problèmes, autant des deux côtés, quoi, sans faire de préférence, ou sans faire de... Voilà, il va regarder, euh, juridiquement parlant, euh, islamiquement parlant, euh, les choses qui ne vont pas chez elle, les choses qui ne vont pas chez moi, pour essayer de réparer. Parce que, voilà, on sait que le divorce est, est autorisé en islam, mais est détesté par Allah. Ça veut dire, euh, voilà, quand même, il vaut mieux se réparer d'une situation, plutôt que de partir déjà... À... Euh, alors je divorce, je me remarie, je fais ci, je fais ça. Donc voilà, j'ai vu que les, 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 les trois écoles, c'est-à-dire parmi les, 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 ces trois savants et le quatrième qui est Abu Hanifa, il n'y a que Abu Hanifa qui dit c'est toléré. Je dis pas que la parole d'Abu Hanifa est à ne pas écouter. C'est un imam de l'école sunnite, des quatre écoles qui a respecté. Mais dans le cas où il y a trois avis majoritaires, on doit, on doit prendre la majorité. C'est enfin, logique. Il y a un doute, il y a un doute parce qu'il n'y en a qu'un seul qui a divergé qui a dit ça. Pourquoi prendre celui-là qui a divergé Et je vous rappelle, il y a une parole, Ah, je ne connais pas Enfin, je celui-là qui a dit cette parole en tête, mais qui est une très belle parole qui a dit Si tu cherches chez tous les savants la facilité, tu auras rempli le mal en toi. Enfin bref, c'est pour vous dire que voilà, il y, y a beaucoup de problèmes avec ce, ce, cet APBIF, là, ce, ce groupe de Habash. J'y ai passé, j'espère que vous allez... Vous, enfin, ceux qui y sont toujours verront qu'à travers mon mon, mon témoignage, euh, ben, je, je n'ai rien inventé, vous l'avez vécu vous-même, de toute façon c'est sûr et certain. Parce que ce que je me suis rendu compte c'est que... Enfin, attendez, excusez-moi avant de partir sur ce thème. Je Par, enfin, par rapport à mon mariage, je vous préciser quand même que je me suis remarié de suite, selon l'avis des trois autres écoles, et que j'ai prié Allah pour nous pardonner. Euh, d'avoir de, 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 euh, vécu plus d'un mois avec euh, ma femme euh, dans cette villa là bien que je, je, mais je, je me dis voilà c'est pas ma faute mais si j'aurais dû me renseigner avant euh, et rappelons il y a un hadis qui dit que à la fin des temps la fin des temps on te sont niés, on les voit ceux qui connaissent un peu la science voient que tous les petits signes sont déjà passés mais je veux dire qu'il dit que la fin des temps euh, les gens prendront des, de la science ou des informations sans la vérifier et donc je, je, mon devoir de vérification n'a pas été fait et j'ai été marié euh, avec un avis minoritaire et voilà comme je vous répète celui -là qui suit chaque savant à la facilité euh, il fera ce qu'il veut à la fin ça veut dire si par exemple il y a une question là qui te dit Ouais, j'ai pas le droit de faire ça et tu vas chercher euh, sur 50 savants, enfin je veux dire sur 30 savants, tu trouves un euh, qui te dit je, je peux le faire et tu vas le faire, c'est que il y a un problème, quoi. Enfin, c'est je veux dire, il faut, faut, faut pas chercher.